Aujourd'hui, Shaowen pense faire un sang-joueur hardcore de son côté. Sauf que je vais le rendre complètement dingue. Car je vais secrètement infiltrer sa propre maison et la rendre complètement chelou avec divers modes. Sauf que lui ne sera au courant de rien du tout. Donc tu sais quoi, si tu apparaître à l'écran, oublie pas de t'abonner, oublie pas ton like, c'est y part. Bon les mecs, on est d'accord que là dans cette situation, logiquement, je suis vraiment dans la mouise. Je suis actuellement hardcore, j'ai pas beaucoup de cœur. Sauf qu'aujourd'hui, regardez-moi ça, on est absolument pas en hardcore, j'en ai rien à secouer. Bao. Parce que les amis, c'est simplement un pack de thé sur les cœurs. Et Shaowen pense que là on est en train de faire une survie hardcore. Bon les mecs, c'est super long, parce que je crois qu'on a environ dans le jour 42-43. Et Shaowen, depuis des heures et des heures et des heures, il joue au serveur. Sauf que moi, bon, t'es mal inventaire, je n'ai rien. T'es mal le stuff, je n'ai rien. Et je lui ai demandé de présenter sa base. Donc logiquement, les mecs, là, il est actuellement en train de record. Bon oui, c'était le seul moyen d'avoir son record. Parce que vous doutez bien que Shaowen ne record pas H24. Donc réussir à le troll, il fallait que je trouve, on va dire, un petit stratagème. Donc là, logiquement, il présente sa baraque. Et vous savez quoi? Pour l'infiltrer, ça va être simple. Je vais simplement me mettre en vanish. Hop là, et boum. Bon, j'espère qu'il me verra pas, hein, parce que là, je me vois. Bon, déjà, il va falloir que je trouve où se trouve Shaowen. Ce que je ne sais absolument pas. Logiquement, j'ai mis un petit pylône pour le remarquer, voilà. Mais de ce que j'ai vu, les mecs, regardez-moi ça. Il a fait une maison tarlé fou, hein. Je sais pas s'il a schématique. Je sais pas s'il a utilisé des bails bizarres. Oh là. Oh là là, regardez-le. Regardez-moi ce gourgandin. Attendez, attendez, attendez. Il faut simplement que j'infiltre sa maison comme ceci. Attendez. Il a posé des fours ici. Donc là, il doit savoir qu'il y a des fours. Attendez. Si je casse les fours comme ça. Hop là. Bon, évidemment, les mecs, on va le troll de façon. Tranquilo, tranquilo. On va pas non plus abuser. Logiquement, plus la vidéo va avancer, plus on va lui faire des sauvageries. Parce que Shaowen n'est pas naïf. Shaowen peut très bien me cramer en 3 secondes. Bon, de toute façon, s'il m'a cramé en 3 secondes, la vidéo n'est pas présente. Donc si vous voyez la vidéo, logiquement, c'est très très bien passé. Du coup, là, on pose quelques blocs histoire. Ok, du coup, là, les mecs, je pense qu'on a pratiquement terminé. Et voilà, les mecs, voici ma maison de la mort qui tue. Elle est incroyable. Bon, j'ai totalement regardé un tutoriel, hein, je vais pas vous mentir, hein, je suis pas un builder pro. Mais je suis quand même fier de ma maison. Franchement, pour un 100 jours ou une survie de malade, je trouve que ma maison est plutôt pittoresque. Je pense que ce qui a été le plus galère pour moi, ça a été les feuilles et ces espèces de bibliothèques trop chiantes. Mais no fake, franchement, j'en suis fier. Bon, le problème, c'est que c'est juste les fondations. À l'intérieur, il y a rien du tout. Du coup, je pense que bon, avant d'agencer tout ça, moi, ce que j'ai vraiment envie de faire, les mecs, c'est de faire une espèce de ferme, histoire bah, d'avoir des mobs et d'avoir de la bouffe. Parce que bon, comme vous le voyez, j'ai du pain. Voilà, bah normal, parce qu'il y a un village juste là-bas. Mais dans pas très très longtemps, je pense que je vais pas avoir de bouffe. Et du coup, c'est ça qui va être vraiment chiant pour moi, en fait. Du coup, je pense que l'objectif, ça va être de ramener des espèces de vaches, etc. Et de faire une ferme, parce que là, on dirait vraiment une grange. Là, on dirait vraiment une cathédrale, cathédrale pas construite. Mais par contre, de l'extérieur, je suis désolé, les mecs. Mais la maison, elle flingue, elle est juste incroyable. Il se fout de ma gueule, mais il a fait que les fondations. Oula. Il est là-bas, on va évidemment faire très attention. Il faut que je me cache, parce que là, Shaowen, il est ici. Qu'est-ce qu'il. Mais pourquoi il fait un élevage? Allez, viens par là, toi. Viens par là, toi. Pourquoi ils viennent pas? Ah, mais il faut du foin. Je crois que je suis un golemon, les mecs. Ok, en fait, il me faut du foin. Voilà, voilà, viens par là. Voilà, suis-moi. Voilà, la grosse vache. Viens par là. Et donc là, les mecs, ça va être tout simplement la première vache de notre élevage. Donc là, c'est historique, là, ce qui se passe. Je pense que vraiment, même Napoléon Bonaparte n'a pas vu ça quand il était plus petit. Allez, viens par là, ma petite cochonne. Du coup, non, ma petite vache. Donc voilà, j'espère que t'es pas trop dégoûté. Hein. Voilà, hop. Moi, les mecs, là, maintenant, je pense que ce qu'on va faire, c'est un petit portillon, histoire de pouvoir faire rentrer le bétail, tout simplement. Bon, là, c'est vraiment un début de ferme, là, les mecs. Ça ressemble vraiment à rien. Mais on va faire comme on peut. Honnêtement, on va faire comme on peut. Mais je lui dis de présenter sa baraque. Il est en train de taper la discute avec des. Oh, vous savez quoi, les mecs, dès qu'il part, je vais tailler la vache. J'en ai rien à secouer. Hop là, c'est parti, les mecs. Bon, vous savez quoi, je vais y aller en petit comme ça. Je suis un petit peu sneaky. Parce que là, en fait, ce qui me fait peur, c'est que je ne sais même pas si je suis invisible. Logiquement, je suis invisible, hein, mais vu que je me vois, on va vraiment prendre aucun risque. Je vais me donner une reach, tarlé fou. Donc, logiquement, regardez-moi ça, je peux casser le bloc ici. Oh là 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 là. Et là, il faut que je tue la vache à distance. Limite, je kifferais la tuer devant ses yeux. Donc, vous savez quoi, ça va être simple. Je vais me prendre une épée comme as. Je vais me mettre une sharpness 5 et voilà. Donc, là, attendez, est-ce que je peux la frapper là? Oh, je peux la frapper, c'est bon. Ok, il arrive. Je vais la frapper simplement dès qu'il tourne le regard. Maintenant, et ben, il a rien entendu, nickel. Ah, si, peut-être, peut-être, peut-être. Allez, mec, faut que je fasse vraiment très gaffe là. Ok, c'est bon. Oh là 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 là. Voilà les mecs, je pense qu'on va faire juste le petit portillon dès maintenant. On va pas se prendre la tête. Alors, pour ce faire, c'est très très simple. Pourquoi j'ai des bails d'XP là qui sont en train de voler là. Trop bizarre. Bon bref. Hop là, on a notre petit. Wesh. Quoi ce bordel? Pourquoi elle est morte? Alors là, j'ai vraiment rien compris là pour le coup. Je dis la vérité. Vous savez quoi, c'est pas grave, moi j'en ai rien à faire. Je vais ramener une deuxième vache. Voilà, comme ça. Allez, viens par là, ma coquine. On va vite se barrer. Je n'ai rien fait, je suis désolé. Sa pauvre vache. Après bon ça va, c'est une vache. Il va pas non plus me faire chier avec une vache. Hein. S'il commence à me prendre la tête pour une vache, voilà quoi, c'est ira 2 minutes, mais pas plus. Hein. Et voilà les mecs. Bon, malheureusement, je devais avoir deux vaches. En tous les cas, je pense que là, je vais vous faire visiter un petit peu la maison. Parce que bon, même s'il y a du vide ici, je pense que voilà, comme vous le voyez ici, il y a déjà une petite ferme. Donc là, il y a déjà des carottes, des plantations, des trucs, bon, des trucs plutôt de base, quoi. Qui sont d'avoir de la bouffe. Moi, ce que je voulais, c'était faire un élevage. Du coup, l'élevage, il sera juste là. Voilà, ici, bon. On va agencer tout ça. Hein. Ça sera beaucoup plus grand que là maintenant. Je pense même qu'on va faire une espèce de farm. Ça peut être vraiment pas mal. Là, bon, on a une espèce de salle à manger. Voilà, si jamais je veux inviter Pouquet Draco et Aspas pour manger du clavier.
foutis. Bon, c'est une belle maison de l'extérieur, mais bon, quand on va à l'intérieur, il n'y a pas grand chose quoi. C'est un peu comme le crâne à Spaz. En vrai de vrai, je pense qu'on devrait agencer un petit peu plus l'intérieur. Je sais pas ce que je pourrais faire. Moi, les mecs, je vous dis la vérité, en build, je suis vraiment éclaté. Vous savez quoi, je n'ai rien à faire. Je vais faire un premier mur, les mecs. Donc, tout ça, ça va être la première pièce. Ok, les mecs, j'ai eu le temps de me déconnecter. Et regardez-moi, ça, vous êtes prêts? 3, 2, 1, boum. Est-ce que je fais pas super peur? La réponse est oui. Hein, la réponse est totale. En plus, vu qu'il fait nuit, vous savez quoi? Je vais tenter de me posticher. Je dois tenter de lui faire peur. Donc, pour lui faire peur, ça va être simple. Je vais simplement mettre plein de creepers autour de sa base. Voilà, on va vraiment en mettre un peu partout. Il faut vraiment que je fasse gaffe qu'il me regarde pas. Hein. Parce que logiquement, les mecs, il est à l'intérieur. Ça fait peur, là. On dirait que je me regarde en WF5. Alors que pas du tout, les mecs. Je suis simplement en train d'avancer, là. Attendez, on va faire un petit trou ici. Voilà. Et là, vous êtes prêts? Chunga! Wesh! Frère! Non, mais qu'est-ce qui s'est passé? En fait, les mecs, c'est impossible déjà que l'aîné me troll parce que bon, je l'aurais vu connecté depuis très très longtemps. Donc là, les mecs, j'ai vraiment aucune idée de ce qui se passe. Genre vraiment. Déjà le bail de la vache, ensuite ça, les mecs. Non, mais vraiment, c'est trop chiant. En plus, ce qui est bien, c'est que ce genre de troll là, ça doit faire limite 3 mois que je l'ai pas fait à Shawen. Donc là, c'est impossible qu'il se doute de quelque chose. Oh là là, on va enfermer sa baraque, frère. On va la posticher avec un nombre de creepers devant effrayant. C'est trop chiant. Je vous jure que les creepers, quand on construit des maisons, c'est vraiment la pire chose qui puisse exister. Voilà, et en plus, il y a tellement de creepers ici. Non, ne venez pas par là les creepers. Je vous en conjure. Hop là, je prends tout le bois qu'il me faut et je me casse. Wesh. Mais comment? Mais comment ça, il y a autant de creepers? Non, j'arrive pas à y croire. Je peux même pas y croire qu'il y ait autant de creepers, les mecs. Je vais retourner dans la maison, j'en ai rien à faire. J'espère juste qu'ils vont. Voilà, hop, tu ne rentres pas, gros. Tu ne rentres pas, personne ne rentre. J'en ai rien à faire. Il faudrait que je fasse un truc ici, là. Il faudrait que ici, j'ai le temps de mettre un portail. On va prendre des portails via ce mode-là. Oula. Ok, il a vu les creepers. Bon, là maintenant, ça va être un petit peu bouillant de le troller, là. Ah, j'aurais kiffé mettre un portail ici, mais ça va être impossible. Ah, ça va être chaud, les mecs, hein. Bon, déjà, toi, petite Marguerite. Voilà, comme ça, tu te barres. Hop là. Non, je n'ai rien fait. C'était quoi l'explosion, là, que j'ai entendu, frère? Non, bah non. En fait, de base, les mecs, j'allume le record pour faire une vidéo normale. Et là, c'est une catastrophe. Là, je fais tout, les mecs, pour faire une bonne vidéo. Et c'est là, ça va se transformer en catastrophe, les mecs, vraiment. Genre, c'était pas du tout l'objectif. Attendez, vous savez quoi? Bon, toi déjà tu vas pas, voilà, tu viendras pas, voilà, désolé de te le dire. Bon là les mecs, je termine juste au moins la construction ici, histoire de faire un truc un peu propre. On va y faire je pense les, bon non mais c'est horrible. Après en soi les mecs, j'ai pas fait de sol. Je pense que le sol on va le faire en bois normal, voilà, tel des gens civilisés. Wesh, d'accord que c'est pareil que, non mais c'est quoi que je viens de voir là? Wesh, mais c'est quoi cette dinguerie frère? Tête de la mer les mecs, je me casse. Tête de la mer les mecs, je rentre chez moi, je rentre à ma maison. Quoi? Oula. Non mais là il va péter. Attendez, il faut vite que je le délète. Il est pas censé savoir qu'il y a des bobs. Il faut que j'arrive à le tuer. Après frérot, tu vas affronter le duc. Tu vas te prendre ça, hein. Je suis désolé. Hein. Il prend des dégâts tout seul. C'est quoi ce mob? Casse-toi, meurs. Wesh! C'est quoi ce bordel? Wesh! Non! Oh là là, oh purée les mecs, oubliez pas que je suis hardcore hein. Là si je meurs, je suis mort hein. Purée. Oh non mais wesh, mais c'est trop grave frère. C'est quoi ce truc? Ok, let's go. Alors là, du coup, j'ai tué l'espèce de squelette mutant. Et ça sort d'où ça dans un Minecraft survie ça? Mais dites pas que l'Ainade il a rajouté des mods. Parce que moi, je vous dis la vérité, j'ai rajouté 0 mob. Hein. C'est vraiment impossible. Wesh, il y a des poudres. Et j'ai son cadavre partout. Non, ça par contre, c'est stylé. Ça, je vous dis la vérité, c'est vraiment stylé. Bon, au moins, les mecs, l'avantage, c'est que là, il va faire jour. Donc, il y aura un petit peu moins de mobs. Donc, c'est plutôt cool. Comme je vous ai dit, les mecs, l'objectif, c'est de se faire une espèce de pelle. Alors, je sais pas si on aura du stuff pour une pelle. En vrai, de vrai, si on a quand même ça. Bon, toi, tu vas arrêter de me saouler. Toi, tu vas mourir comme ton pote, là, le gros, là. Par contre, les mecs, je suis vraiment abattu. Il faut que je l'agrandisse. Et vous savez quoi? On va l'agrandir vers ici là. Oh attendez. Là logiquement il est occupé en train de fighter un mec. On va lui faire un grand bail. En plus vu qu'il a look un tuto, je suis sûr qu'il se rappelle même plus de comment sa maison était. Voilà, on va simplement y faire une baraque comme celle-ci. Oula frérot, ne viens pas s'il te plaît. Laisse-moi build. Oh. Ok ça va. Oh là je suis en train de faire un truc tarlé fou là. Oh, c'est même pas symétrique. En fait il faut que je build en le regardant du coin de l'œil. Je suis en train de faire des commandes world edit là les frères, je dois aller super vite. Et voilà, c'est finido. Ça va être quoi sa réaction quand il va voir ça? Moi les mecs, je vous jure, je vois ça avec des mutants là, finalement que j'ai peur hein. Et les mec, si j'ai réussi à secrètement lui mettre des mods, c'est parce qu'on passe via Essential. En gros, c'est un launcher et il est pas au courant des mods. Parce qu'à chaque monde que tu rejoins via Essential, et bah je peux choisir ce que ça va lui installer sur son PC en fait. Et donc là, il est pas au courant qu'il y a des modes de transformation, qu'il y a des mobs méchants bizarres. Et il se pense en hardcore, donc bon. Et voilà, c'est enfin fait, les mecs. Je n'ai pas été cramé, c'est nickel. Donc là, on va ouvrir. Et les creepers, vous pouvez descendre, voilà. Bon, du coup, là j'aimerais bien lui faire un petit troll sur une genre de sortie. En vrai, bah attendez, on va prendre des portals. Je vais faire une genre de sortie vers ici en fait. Comme ça, il la voit pas encore la sortie. Et en vrai, je vais la mettre ici. Voilà. Bon, attendez, si j'allume, il se passe quoi là, boum. Ok, donc là je passe là et je me retrouve. Ok, c'est vraiment déstabilisant. Donc là j'ai simplement à remplacer ces blocs là comme ça, voilà. Voilà, on l'enferme bien comme un malpropre. Je ne veux pas qu'il crame qu'il y a un mode bizarre là. Par contre j'espère qu'il est pas en train d'entendre que je pose des blocs. Donc là attendez, s'il passe là, il va faire quoi? Ça va le. Mais wesh, ça bug ou quoi? Ah non, c'est vraiment genouné là ce qui se passe hein. Ah, je suis navré là, c'est trop bizarre ce que j'ai fait là. Hein.
Oh, c'est super déstabilisant, attendez. Là, j'y accède, ok. Et là, pour ressortir, je ressors où? Attendez, mais en fait, ça bug une fois sur deux, non? Oh, mais what? Non, mais ça n'a aucun sens ce que je viens de faire, là. Wesh! Ça m'attaque, ça? Wesh! Mais c'est trop bizarre. La tête d'homme, les mecs, c'est trop bizarre. La tête d'homme, je veux enterrer ça. J'ai l'impression que ma maison, elle va être hantée toute ma vie, là, si je garde ça avec moi, là. De toute façon, moi, les mecs, moi, je fais mon petit sol. Y'a rien à faire. En vrai de vrai, faut quand même que je m'occupe des vaches. Le problème, c'est que j'ai l'impression que le jeu n'a pas envie que j'ai une ferme, en fait. Vous savez quoi, les mecs, on va faire un truc bien plus grand. J'en ai rien à faire. Genre vraiment, vraiment beaucoup plus grand que ce que j'avais fait. Parce que là, c'était plus de l'exploitation animale que un truc gentil, quoi. Donc voilà, on va faire un truc beaucoup plus grand qui respecte les animaux. Donc voilà. Voilà, viens par là, c'est ta nouvelle maison. Voilà. Attends les mecs, faudrait peut-être quand même qu'on cherche une deuxième vache. Ah mais c'est que frère, il y avait deux vaches à côté. Et là frère, il y a plus rien du tout quoi. Genre c'est vraiment le bail qui me saoule le plus je pense. Oh, on va creuser ici les mecs. Et on va lui mettre un genre de portal. Bon déjà on va lui faire une grande salle. C'est bon, il me regarde pas, c'est nickel. Voilà, j'ai trop peur de me faire surprendre, hein. Je fais n'importe quoi. Hein. On n'oublie pas ceci, voilà. Regardez les mecs, je lui fais un genre de petit pont. Est-ce que sa maison est bizarre? Oh mais ouais, mais la maison n'a aucun sens frère. Et même moi ça là-bas. Mais c'est n'importe nawak. Oh là, il est sorti le chien. Et bah vous savez quoi les mecs, ça va être simple. Via ce mode là, je peux me transformer. Donc voilà. Je suis un petit chicken. Et logiquement, je suis plus invisible. Donc là, il peut potentiellement me voir. Je vais plus me mettre en villager. Comme ça, je vais pouvoir aller au village. Ok, ça va. Là, on avance tout doucement. Là, il faut pas qu'il me voit là. Oh, les mecs, ça pourrait être drôle. Oh, je change sa vache en mouton. Je vais m'équiper d'un mouton, les mecs. C'est parti. Hop là. What? C'est quoi ce truc? Frère, c'est quoi? What? Non, mais la vie de ma. La tête de ma mère, les mecs, c'est pas moi qui a construit ça. La tête de ma mère, c'est pas moi qui a construit ça. Je vous le jure, frère. Mais les mecs, je vous jure. En fait, moi, je vais faire un 100 jours normal avec Lined. Je vais tuer la vache. Et là, hop là. Voilà. Comme ça, regardez-moi. Il y a le mouton qui le suit. Genre là, les mecs, je sais même pas d'où ça sort. On va visiter ça après. Mais bref, elle est où ma vache? Bon, toi, je m'en fous de toi. Elle est où ma vache? 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 Bon, je vais me contenter de toi. Vas-y, viens par là. Voilà. J'en ai rien à faire. De toute façon, voilà, on essaie de faire comme on peut. Hein. Enfin, c'est que ça me stresse. Je sais pas ce qui se passe. Voilà, viens par là. Voilà. Alors attendez, mec, parce que là, du coup, on va monter un peu plus en haut. Ok, vous êtes prêts? Hop là, hop là. Voilà. On va vite récupérer ça. Nickel, chrome. Et hop là. Mais genre, il se questionne même pas qui est ça, quoi. C'est pas un problème pour lui, ça. Ah, vous savez quoi? On va agrandir sa maison vers là, là. On va la rendre encore plus bizarre. On va simplement faire ça. Hop là. Et là, maintenant, on va la mettre simplement ici, sa baraque. On va l'allumer. Boum. Ok, là, c'est vraiment space. Et donc là, sa maison paraîtra 100 fois plus grande. Voilà. Donc là, s'il va là, bizarre. Il va là, bizarre. Ok, c'est full bizarre. Ah, je crois qu'il a remarqué la supercherie, là. Et on va voir ce qui se passe. Parce que là, les mecs, je suis vraiment, vraiment, vraiment curieux de savoir d'où est-ce que ça sort. What? En plus, c'est exactement ce à quoi je m'attendais. C'était genre genre rien, en fait. Et la dernière, j'ai entendu des blocs. Se poser. La tête de WAM, les mecs, que je suis pas tout seul. Enfin, c'est que c'est pas Lined, frère. J'espère juste qu'il a pas leak un truc dans le serveur Event et qu'il y a un abonné qui essaie de me troll ou un truc comme ça. Parce que ça va me rendre fou, ça. Ça, je rends l'insulté. What? Non, mais les mecs, c'est vraiment le multiverse, là. De base, j'avais une vache, un mouton. Là, j'ai deux moutons. Bon, en vrai de vrai, est-ce que c'est pas positif? Voilà, allez hop, faites des gosses. Voilà, faites l'amour, pas la guerre. What? La vineur, est-ce que vous avez vu ce que j'ai vu, frère? J'ai vu une espèce d'épée en diamant ici. Oh, attendez, on va prendre du rose. Oh non, il faut le bar, je crois qu'il m'a vu. Oh, la boulette, je viens de drop un bloc. What? Et la vineur, les mecs, je vois des blocs. C'est quoi cette dinguerie, frère? Les mecs, je vous jure, mon Minecraft, il est corrompu. Je vous jure qu'il y a un mec qui a rentré dans le serveur, un abonio. Le problème, les mecs, c'est que quand je fais table, il y a personne. Et vous savez quoi? Je vais profiter de ça, de ce phénomène qui n'est jamais arrivé, pour tout simplement y faire ma petite maison. Voilà, rien à faire. Parce qu'en vrai, c'est joli, tu vois, il y a plus de décoration que ce que j'ai fait. Mais en fait, ça ressemble vraiment à un schématique, en fait. C'est ça le truc. C'est que j'ai l'impression que vraiment y a un mec qui se fout de ma gueule là, je sais pas c'est qui. Et je pense les mecs on va déplacer tout notre stuff tout en haut en fait. Genre c'est vraiment un truc qui peut être utile. Ok, bon là les mecs, j'ai reçu vraiment tout le stuff. Voilà, je pense qu'on va remonter en haut, on va refoutre tout ça là-bas. Ok, il a pas l'air d'avoir qu'à là. Vous savez quoi les mecs, j'en ai rien à secouer. On va mettre un petit bébé rose. Voilà, un petit bébé rose, c'est space. Il sera peut-être heureux d'avoir fait quelque chose qui n'est même pas réalisable, je pense. Bon du coup attendez, si on va ici, est-ce que c'est space? Ah ouais non mais là on voit que c'est bugué là. Hein. Voilà, là c'est moins bugué, là c'est mieux, là voilà, c'est nickel. Ah enfin il le voit que c'est bizarre. Hein. En plus, ce qui est incroyable, c'est qu'il pense être en hardcore. Hein. Donc là, si je peux tenter de le tuer, c'est trop drôle. Parce que vous êtes pas bête, hein. S'il meurt en hardcore, il a en soi perdu le concept. Bon, par contre, mettez tous un commentaire soutien à Shawen. Parce que ça doit faire au moins 10 heures qu'il joue Miskina dans son coin tout seul en train de faire une baraque. En pensant que c'est un concept, alors que Miskina, il va simplement se faire troller par le GOAT. Maintenant, je vais tenter d'agrandir sa baraque vers ici. Hein. On va essayer un baitar les fous, les mecs. Je vais partir super loin. On va mettre des oak planks, bow. On va lui faire un giga long couloir. Et évidemment, un couloir qui sera infini. Donc là, attendez, les mecs. Si j'allume le portail, tchunga, voilà, c'est fini. Oh là là, ça fait peur. Oh, mais attendez, mais c'est effrayant. Je me vois en bizarre. Voilà, on enlève toutes les preuves. On y met bien un petit toit. Oula, il y a des nouveaux mobs. What? Mais que se passe-t-il? Oh,
Mais j'ai tout fait bugger là. Ça va pas. Mais j'ai tout niqué là. Oh le pauvre. Oh je lui ai sauvagé sa baraque. Ça ne ressemble plus à rien. Ok. What? Purée. Oh purée, mais pourquoi? Comment j'ai fait pour me retrouver à aussi peu de cœur les mecs? Parce que là les mecs, j'ai vu un espèce de mouton rose dans mon champ. Et je sais pas si ça se fait naturellement. Je pense pas que ça se fasse naturellement. Oh non mais lui, il rend fou, mais tout le monde quoi. What? J'entends un éclair. Hop là, c'est reparti. Faut pas qu'on se fasse cramer les mecs, hein. Là ça peut être le troll de l'année. En fait je sais même pas comment il réagit, se trouve il m'a cramé depuis 10 minutes et qu'il me troll. Donc ça y est quoi, petit briquet et bao. Bon, est-ce qu'il y a la propagation du vent? On va voir ça dans quelques secondes. Il y a la propagation, c'est nickel. Donc là je vais simplement prendre un genre de paratonnerre, hop là. Et il faut que je le mette à un endroit où il y a beaucoup de bois et ça peut se propager partout. En vrai là, est-ce que là c'est pas parfait là? Ici boum, Wither Thunder. Est-ce que ça va pleuvoir? Magnifique. Et là attendez, on va mettre plein d'explosions ici là. Pour qu'il commence à venir, hein. Voilà. Attendez, par contre là les mecs je n'ai jamais posé ça, hein. Ouais, mec, là je commence vraiment à croire qu'il y a un truc chelou là. Là il y a vraiment un truc bizarre qui est arrivé là les mecs, hein. Là je peux pas faire semblant, je peux pas faire le mec en mode y a rien du tout. Là il y a quelque chose mais je sais pas c'est quoi. Même ce mouton rose frère, c'est... Wesh! Non mais il est sorti d'où ce chien? Il est sorti d'où frère? Non mais les mecs c'est abusé, c'est abusé. Allez meurs, je t'en supplie. Voilà c'est bon, il est mort frère. Enfin. What the fuck? Le bébé est devenu rose. C'est dans quel livre de Minecraft? Moi j'ai acheté le livre de Minecraft de Dypierre. Non mais là on se fout de ma gueule. Là on se fout de ma gueule. Là on se moque de moi là. Non mais non, bah non. Bah non en fait. Bah non, moi je suis pas d'accord. Là les mecs, il y a des choses je suis d'accord, il y a des choses je suis pas d'accord. C'est horrible, c'est un scénario digne de... Non mais c'est... J'en ai marre. Je sais très bien qu'il y a quelque chose qui se passe en fait. En fait c'est pas parce que là il y a des pacos qu'il y a rien du tout. Voilà, vous savez quoi, ça va être ma base secrète. Voilà, le truc en plus, ça va être ma base secrète. Ça va être en haut, c'est le seul endroit là où je me sens un peu en sécurité. Parce que là les mecs, je sais pas si vous êtes au courant, mais ce petit paratonnerre amène le feu et ça peut tout brûler. Et là maintenant, vu que c'est comme ça, j'en ai rien à secouer, on va commencer à mettre le feu. Voilà, on va mettre le feu ici là. Voilà, ça brûle, c'est bon, ça brûle. On va mettre un effet de lightning, voilà, comme ça là. Par contre, vous, voilà, il me crame ces creepers de bizarre là. Donc toi, tu déblayes. Ah oui. Bon, je voulais juste vous tuer, hein. Bon, il est au courant que ça brûle ou pas là? Au pire, on va lui remettre un paratonnerre. Et sur le paratonnerre, on va spammer, hein. On va spammer de fou. Ah voilà, il se questionne, magnifique. J'espère que t'es fier. Et là maintenant, on peut commencer à améliorer sa baraque. Bon, l'améliorer, c'est un bien grand mot. Donc on va simplement le. Bah voilà, on va le sortir vers ici. Voilà, toc 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 toc. Petit world edit des familles, les mecs. Voilà, petite stone comme as. Hop là. Oh les mecs, je suis en train de lui faire un troll, le pauvre, hein. Je suis en train de lui saccager sa baraque. Oh là, regardez-moi ça, comment ça n'a aucun sens. Je lui ai créé une nouvelle entrée. Bon, ici les mecs, on va faire un truc. Tac 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 tac. En fait, j'ai peur qu'il me crame en fait, hein. Il faut vraiment que je build en faisant vraiment attention. Ok, ça va, il me voit pas. Là par exemple, il peut me voir là. Donc là on fait attention. Voilà, là maintenant on est bien safe. Au cas où, regardez-moi ça. On va refermer, comme ça on sera tranquille. Voilà, comme ça là il me voit pas. Et là maintenant on va re-rendre son bail trop bizarre. Donc tchunga, comme ça. Oh là les mecs, ça n'a aucun sens. Non, mais regardez-moi ça. On va y mettre des torches comme si c'était un truc de constructeur. Ah mais là ouais, non mais là c'est bugué là. Là en plus je me vois là. Mais qu'est-ce que je viens de foutre? Qu'est-ce que je viens de faire? En plus, les mecs, regardez-moi ça. On va simplement ouvrir et voilà, c'est parti. Hop là, et voilà, on a ouvert le bail. Et donc là, logiquement, il va le voir. Attendez, on va essayer de l'infiltrer, les mecs. Donc pour ça, on va se mettre tout petit et on va rentrer dans les blocs. C'est parti. Et voilà, nous y voilà. Pour être sûr, Chung. Et vous allez me dire qu'il l'a pas vu là. Oh, attendez, on va simplement mettre un genre d'escalier vers là. Enfin, plutôt une échelle. Comme ça, il va bien la voir. Là, j'ai l'impression que depuis tout à l'heure, il veut pas venir. Et vous savez quoi? Je vais même remplacer ces blocs là par de la stone vraiment moche et une porte en fer. Voilà, deux portes en fer. Comme ça, il sera bien au courant qu'il a pas fait ça, hein. En fait, à chaque fois que je vais ici, genre je bug. Genre, vous voyez ou pas? Wesh, c'est la Matrix. Je me suis fait peur tous. Oh, les mecs, c'est juste trop bizarre là. Et boum, les mecs, regardez-moi ça. Ce qui est parfait, c'est qu'au tout début de la vidéo, quand il était encore AFK, j'ai créé un schématica de sa baraque. Un schématica, c'est un build que vous pouvez poser. Vous pouvez le mettre à peu près où vous voulez, hein. Donc là, moi, j'aimerais bien lui mettre une double maison. Essayer de trouver un endroit pour lui mettre sa double maison. Au pire, je pourrais même essayer de la mettre par-dessus. Comme ça, ça va faire un genre de bug. Elle sera superposée sur la même maison. Ah, je crois que j'ai activé le truc. Non? Ah bah non. Qu'est-ce qui vient de se passer les mecs? En tout cas voilà, attendez, je pourrais la placer où pour qu'elle soit vraiment un peu bizarre, hein. En vrai là c'est space, non? En vrai là c'est bizarre, hein. Vous savez quoi? Rien à secouer, c'est parti. Bon là il peut me cramer là, hein. Oh. What? What the fuck? C'est quoi ce bordel? Non mais les mecs, regardez en bas. Ça c'est ma maison, ça. Ça c'est ma maison les mecs. Ça c'est ma maison et ça c'est des maisons, mais genre des maisons qui sont pas vous doutez bien que c'est pas moi qui les a construit. La même maison les mecs. On a copié-collé ma maison. Ah bon là les mecs, je vous dis la vérité, je ne comprends plus rien là. Là les mecs, c'est le pire 100 jours de ma vie. C'est le 100 jours le plus bizarre que j'ai vu de toute ma vie. What? En fait, ça a vraiment copié-collé ma maison, genre. Wesh, un espèce de passage en mode les backrooms. Ah! Oh frère. En fait, j'ai vraiment peur.
peur pour rien. La vie d'envers les mecs, je suis pas un acteur. La tête de homme, que ça m'a effrayé. Ok, c'est un espèce de miroir bizarre. Bon, j'ai pas très bien compris là, je dis la vérité. C'est quand même assez spécial. Hein. C'est une dinguerie. Et la plus grosse dinguerie, les mecs, c'est vraiment ça. En fait, j'arrive pas à croire. C'est un espèce de portail chelou. Mais les mecs, en fait, dans un monde hardcore, on peut pas faire ça. En fait, c'est pas possible. C'est juste impossible. Genre, vraiment, je ne vois pas comment c'est faisable. Bon, là, les mecs, je vous dis la vérité. J'ai envie de quitter cette maison. En fait, genre, c'est un désastre. J'ai envie de quitter ce monde. J'en ai marre. Je suis abattu, frère. Voilà, ça, c'était ma maison de base. Il y a des choses qui se sont rajoutées. Ça a copié-collé ma maison. C'est la pire vidéo 100 jours que j'ai vu de ma vie. Voilà, littéralement, je ne peux même pas. Je peux rien y faire. Bon, là, logiquement, les mecs, vous voyez pas mon skin. Mais si j'enlève l'effet invisible, j'aurai un genre de skin un peu tout noir. Et ça peut faire peur, hein. Donc, attendez, on va voir à quoi il ressemble le skin. Boum. Mais c'est un skin blanc. S'il veut en avoir une seconde, il peut en avoir une seconde, hein. Et hop là, voilà, il en a une seconde. Magnifique. Attendez, mais what? Attendez, mais ça l'a recopié-collé encore une fois. Mais c'est quoi tout ça? Non, mais là, c'est. Non, mais là, les mecs, je veux pas croire que c'est normal, hein. Là, les mecs, dites-vous que là, Linette, c'est le seul qui a le serveur avec moi. Donc, c'est soit il a leak pour les abonnés, soit c'est lui qui est en train de se foutre de ma gueule. Je vois vraiment pas d'autre concept, hein. Je vous dis la vérité, les mecs. Mais regardez-moi, ça n'a plus aucun sens. Bon, ça se voit que ça a été chez Matix, hein. Et pour régler ça, on va bien viser là-bas. Voilà, on va tenter de régler le problème. Moi, je règle les problèmes. À chaque problème, sa solution. Donc là, hop là, voilà, nouvelle maison, c'est parti. Et donc là, les mecs, on va essayer de passer au final. Je vais me mettre en ce petit mob là qui fait très peur. Bon, déjà, pour attirer son attention, ça va être simple. On va faire comme si c'était une invocation d'Herobrine. Voilà, ici, là, une invocation d'Herobrine ici. Et moi, je vais me mettre sur l'arbre et je vais juste l'observer. Il voit pas qu'il y a un bail bizarre là. Oh non. Ah bah c'est la fin les mecs là, hein. Ah je suis désolé, hein. Au pire regardez, même c'est quoi. Oh, mais il y avait vraiment du stuff. Oh je suis un chien là. Bon au moins ce qui était bien c'est que ça devait simplement être un concept. C'était pas un... Bon c'était quand même un 100 jours quoi. On va mettre la nuit les mecs, hop là d'un coup pao. Et là maintenant je vais simplement me mettre visible. Et voilà. Et là je vais l'observer ici là. Je vais observer ce magnifique feu de camp là. Oh il va me voir là, hein. Ah bah il est pas dos, il est tombé dans le trou. Oh non mais en plus ça brûle. Mon stuff, mes coffres. Tout ce que j'ai bossé, tout ce que j'ai fait frère. Non. Bah non en fait. Non en fait. Je vais MLG en fait. Wesh. Purée de pommes de terre. Purée de pommes de terre. Non. Me shoot pas dessus, je t'en supplie. Me shoot pas dessus. Je vais crever. Je vais mourir. Non, comment il tourne, c'est trop bizarre, les mecs. J'ai l'impression que c'est un joueur. Regarde-moi là. Oh. Regarde au-dessus de toi là. Et en plus, il y a des mobs qui arrivent. Oh wesh. Oh, mais oui, il y a des mutants, c'est vrai. Attendez, c'est quoi ces mutants là? Ah oui. Ah ouais, il se fait marbrer la bouche là. Mais regarde-moi. Il a pas envie, hein. Bon, il veut pas, c'est pas grave. Tu veux pas, hop là. Je vais te prendre ça si tu veux pas. J'en ai rien à secouer moi aujourd'hui. Je te le dis, moi j'en ai rien à secouer. Je vais te faire marbrer la bouche là. Ils vont débarquer dans ta truc comme as, hop là. Oh le pauvre. Là ça va être la fin là. Les mecs ça a démarré, tout était beau, tout était joli. Là les mecs c'est horrible. Je vais mourir, je ne vois pas comment je peux rester vivant là-dessus, hein. Ok les mecs, rendez-vous au QG. La tête de homme les mecs, je vais au QG, j'en ai rien à faire. Non. Oui, good job, oui, ok c'est bon. Alors les vermines, on fait moins les malins là, hein. Alors les zombards. Je vais me mettre derrière lui, hein. Je vais drop une potion de poison, regardez-moi ça. Bam. C'est trop loin, là. Mais je peux pas lancer, c'est trop loin. Allez, vois-moi, là. Bon, il veut pas me voir, hein. Oh, le fail. Ah. Non, sale chien. Non, me tue pas. Me tue pas, sale chien. Non, par pitié. Non. Oh, bah attends, il m'appelle. Eh, Fouxic, ça va? Oui, et toi? Espèce de sale chien. La vie d'ailleurs, tu vas tout casser. Tu vas te reconstruire toute ma maison de A à Z. J'en ai rien à faire. Frère, tu fais quoi depuis tout à l'heure? Bah, je te trouve. Ça t'amuse? Mais pourquoi? Ça t'amuse? Quel problème? Je fais ce que je veux, ta baraque, c'est mon concept. Tu t'es foutu de ma gueule depuis le départ, là, Yen. Ah, mais dis-toi que ça fait 10 heures que je te vois connecté, je n'ai rien foutu du hardcore, hein. Donc tu... En fait, c'est ça ton problème, Yen. Donc, c'est quoi, les mecs? Si vous voulez un nouveau troll, bon, là, ça va être compliqué, parce que, bon, il faut pas le prendre non plus pour un abruti. Vous me mettez 30 000 likes. Bah, va te faire voir. Vraiment, va te faire voir. Et la tête de homme, les mecs, la prochaine fois, c'est moi qui va troll Yen. J'en ai rien à faire. Voilà. Allez, hop.